on observe des cellules en division méiotique dans les testicules et les ovaires. Chez les végétaux, la méiose a lieu dans les ovaires et les sacs polliniques. La méiose est précédée d'une interphase au cours de laquelle il y a réplication de l'ADN, la quantité d'ADN double. La méiose est constituée de deux divisions cellulaires successives. Prophase 1. Les chromosomes se condensent. Chaque chromosome est fissuré et formé de deux chromatides identiques ou chromatides sœurs reliées par un centromère. Les chromosomes homologues de chaque paire s'apparient, se rapprochent et s'accolent, et forment un bivalent ou une tétrade. Métaphase 1. Les bivalents se disposent à l'équateur de la cellule et forment la plaque équatoriale. Chaque chromosome est situé en face de son homologue. Anaphase 1. Les chromosomes homologues de chaque paire se séparent, de façon aléatoire, sans division du centromère, et migre vers les pôles opposés de la cellule. Télophase 1, une membrane plasmique, délimite les deux cellules filles. Chaque cellule fille est haploïde. À N chromosomes, chaque chromosome étant formé de deux chromatides. La première division à séparer les chromosomes homologues. La deuxième division suit immédiatement la première. Il n'y a pas d'interphase entre les deux divisions, donc pas de synthèse d'ADN. Les deux cellules filles obtenues à l'issue de la première division renferment chacune N chromosomes fissurés, autrement dit formés de deux chromatides ou encore de deux molécules d'ADN pour chaque chromosome. La prophase 2 est de courte durée, car les chromosomes sont déjà préparés à la division. Les chromosomes se placent sur la plaque équatoriale au cours de la métaphase 2. À l'anaphase 2, les centromères se divisent et les chromatides sœurs se séparent. On assiste à une ascension polaire des chromatides ou chromosomes fils. La télophase 2 sépare les cellules filles. On obtient ainsi au total 4 cellules filles à N chromosomes chacune. Chaque chromosome est formé d'une molécule d'ADN.